Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Petit live sur un jeu que j'avais commencé hors live à cause de l'époque où je n'avais pas une bonne connexion. Qui est A Plague Tale Innocence. Non, ce n'est pas le dernier. C'est le premier. Donc la dernière fois que j'ai laissé ce jeu, j'avais enfin trouvé le fameux médecin de notre petit frère. Sauf que, de mémoire, il a été touché par la peste. Ou par une maladie, enfin par une certaine maladie, je pense que c'est la peste du coup. Et notre objectif du coup, bah pour l'instant je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas encore lancé le jeu vu que je suis sur le PC pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Attends, excusez-moi. Tic, 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 tic. Je vais me mettre là. Voilà. Du coup, le... Pour ceux qui n'auraient pas regardé le début du let's play, le jeu, je le trouve assez bien. Le petit frère a envie de lui mettre des gifles. Quand bien même il est malade, j'ai envie de lui foutre des gifles. Quoique la sœur, elle est pas très tendre non plus. Elle est même pas très... Elle est même pas gentille du tout avec lui par moment. Mais bon. Pour ceux qui regardent la rediff, ils iront pas jusqu'au bout. Je lance maintenant. Ce soir, on... fera peut-être soit la suite de Resident Evil 2, soit peut-être du Minecraft, le serveur de Bosky, pour continuer un peu notre aventure. J'ai prévu beaucoup d'autres jeux, j'ai également prévu de faire un nouveau format, je sais pas si je le ferai en live ou en vidéo, parce que en format live ça va être un peu plus compliqué, même si pour le coup vous pourrez interagir directement. J'en ai parlé un peu avec Rala et Panda, ils sont d'accord avec moi.
Enfin, Rala, il trouve que c'est plutôt pas mal. Panda, je suis pas sûr d'avoir son avis. Mais je pense que je ferai la présentation de créatures mythologiques. Donc mythologie grecque, nordique, japonaise, enfin bref, plus ou moins toutes les créatures. Faire des présentations aussi de créatures tirées de jeux, comme les SCP par exemple. Enfin, même si c'est les jeux qui sont tirés du wiki de SCP. Vous parlez de certains personnages connus, mais que certains ne connaissent pas forcément les origines, genre par exemple Mickey, les personnages de Disney, des trucs comme ça. Vous présenter peut-être aussi des jeux qui m'ont marqué quand j'étais gosse. Et qui me marquent encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a même des jeux aujourd'hui qui me marquent alors que je les connais même pas. Hein. Enfin, que je les découvre. Hein. Donc si ça vous intéresse, ou si ça vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Le lien est dans la description pour YouTube. Sinon, le lien, vous y avez accès sur mon compte Twitch aussi. Si vous allez sur mon profil. Attendez. Je vais vérifier où c'est que c'est. C'est pas ça que je veux déjà pour Attendez. commencer. Ah, tu te tais. Vous l'avez dans la bio de mémoire. Ouais, vous l'avez dans la bio donc. Concernant Pierre Lamicazé, nombre de followers, joueurs de jeux vidéo qui souhaitent partager son plaisir de jeux vidéo ou encore de culture geek. Même si pour le coup je ne ferai pas que de la culture geek. Vous avez mon Twitter, mon Discord, mon YouTube et mon Tipeee. Bon, mon Tipeee, c'est pas trop grave, mais au moins le Discord et YouTube à rejoindre. Ce sera plus simple pour qu'on puisse interagir tous ensemble. Pardon, excusez-moi, un petit coup de froid. Je vais sûrement bientôt lancer aussi des game viewers pour ceux qui auraient certains jeux, notamment First Class Trouble, Dead by Daylight, Evil Dead, le jeu vidéo. Minecraft, je pense pas pour l'instant, parce que je n'ai pas de serveur à moi. Plein d'autres jeux si vous connaissez des jeux multi que j'ai possiblement. Rocket League peut-être aussi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour le coup. Après, on verra ce que ça donnera. Du coup, je vais couper la musique. Et je vais pouvoir lancer le jeu et vous mettre la scène tout de suite après. J'ai pas lancé le jeu parce qu'il fait un bruit monstre. Du coup, je lance la scène. Ouais, je n'ai pas. Ouais, j'ai pas de scène pour lui. Hop, voilà, parfait. Bon, vous aurez pas eu la musique du début, mais c'est pas trop grave, je pense. Hop. Oh, parfait, nickel. Il s'est mis direct comme il faut. Du coup, je joue avec ma manette de Xbox. Donc voilà, vous voyez, j'ai commencé le chapitre 4, qui est l'apprenti. Et avant ça, je vais peut-être faire quelque chose. Oui, effectivement. Je vais baisser le son du jeu pour vous. Dites-le moi si c'est pas assez fort ou si c'est trop fort. Du coup, on est parti pour reprendre. Est-ce que je peux baisser l'audio? Oui. Voilà. On est parti pour continuer. Pas de bruit. Quoi ce bruit chelou? Ah, c'est peut-être parce que j'avais mis le haut-parleur. Parce que j'avais fait une fausse manip.
Hop, l'apprenti Amicia et Hugo ont réussi à s'échapper de justesse du monastère où les attendaient des hordes de rats. Les rats craignent la lumière, les orphelins profitent des derniers rayons du soleil pour fuir. Pardon. Il y a des coups de frise ou c'est moi? Alors par contre, je vois également un petit problème. Pourquoi c'est comme ça le jeu? Non mais. Bon. Je vais peut-être bouger ma cam, la mettre dans l'autre sens. Enfin, de l'autre côté plutôt. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Bon, on est reparti. Ok, d'accord, c'est juste le coup de frise de. Pour générer, ok. Normalement, j'avais déjà commencé, mais bon, apparemment, j'étais allé un poil trop loin. Ont dû passer par là. Fin du. Monte, d'accord. Alors. Zut, j'ai oublié de faire un truc, parce que là, le chat, je ne le vois pas. Voilà, là je le vois. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la caillasse, n'est-ce pas? Et donc y a rien là, de... Attendez, quoi que... Non, il n'y a rien ici, d'accord. Je passe devant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Amicia et Hugo, du coup, sont des enfants de nobles. Sauf que des inquisiteurs voulaient s'en prendre à notre petit frère. Pour une raison obscure. Et du coup, nos parents se sont fait tuer en nous protégeant. Ces sacs ont l'air très lourds. Des céréales avariées. Oh, t'es encore ça doit en être vie. Pour le cochon. Je suis désolée pour tes amis. Il y a un cochon, il y a une poule, il y a au moins une poule. Ah bon, jure, on n'avait pas remarqué, dis donc. C'est mon grand. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. C'est ça un moulin? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Ouais. Si tu le dis. Tic tic tic. On va essayer de rentrer, hein, du coup. Il y a quelque chose ici ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer.
pense que je suis obligé de passer par là. Mais là déjà. Hugo. C'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Y a des moments où elle est gentille avec son frère, mais il y a des moments où c'est vraiment une peste, quoi. Non, j'ai pas fait exprès pour la blague. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Bon toutou. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Ah. Et merde, je peux rien modifier. Allons voir. L'alambic. Bon, ça du coup je l'ai déjà fait, hein, mais vu que c'était le début du chapitre, je pensais pas que ça allait me remettre là direct, enfin à ce niveau-là quoi. Allez, on monte, c'est parti. Pardon. Ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Du vitriol. Ah, je peux l'améliorer directement dans mon inventaire? Oh. La variation d'une formule latine, visita interiora terrae rectificando in venis occultum lapidem. Qui signifie explore l'intérieur de la terre en rectifiant, tu découvriras la pierre cachée. Cette maxime résume la philosophie alchimique fondée sur l'étude de la nature fondamentale des éléments qui nous entourent et leur transformation. Ses initiales donnent également son nom à l'acide sulfurique. Ah là, c'est possible ça là. Utilisé pour modifier la terre. Coco Sado! Maître Laurentius, n'approchez pas, il est contagieux. Hugo. C'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Mais pourquoi? C'est un gosse, merde! Il y a un mal. Ah oui, ça reste pour ça. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi. Elles vont essayer de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Voilà, tu vois? Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller. Aller au château d'ombrage. With vos seis, de viewers, plus 2, réveil 21m57s. Excusez-moi, mais le bot. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'inifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là.
J'aime bien, elle lui dit laisse. Elle lui dit laisse-moi, sévère, puis deux secondes après, elle lui parle gentiment. Mais elle est con ou quoi elle? Qu'est-ce qu'on va faire? Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les occuper. Oh, les jambons. Bonne idée. Ah, mais ils craignent la lumière. La lanterne. Bon, tu peux y aller. Voilà. Désolé. C'est pas grave. Voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. Mmh. Il va où lui? Reviens là! Oh mon dieu. Oui, bah, comme par hasard. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sur l'unifère. Oh, comment on va faire? Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. Ah, moi j'avais une autre idée. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger ? On peut dire ça. On va l'utiliser pour donner à pour manger surtout. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Maintenant, il me faut le cheval. Il y a une échelle sur le côté. Venez, allons-y. Hugo. Ah. Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Ah ouais. Passe devant. Les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Non ! Amicia, qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolée, Hugo. Mais arrête ! On n'a pas le choix, Hugo. Il faut éloigner les rats. C'est horrible ! En fait, t'es comme les autres. Hugo ! On n'avait pas le choix. Venez, par ici. Viens là. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'unifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Démon. Tu fais quoi? Un assemblage alchimique par dissolution. Ce four. Ça doit être ça qu'ils appellent un athanor. Juste de l'alchimie. Lucas, pourquoi mon mal c'est pas le même que Laurentius? Il a été mordu par un rat, pas toi. Et est-ce qu'il va mourir? Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Leviter extractam sic. C'est du latin.
Ah bon, jure. Bon, apparemment, il y a rien d'autre. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Vous pouvez désormais fabriquer de l'unifère. Maintenez RB pour ouvrir une sélection. Voilà, c'est... Unifère, Amicia, c'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. T'as vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Mon avis, il s'est fait bouffer. Sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. M'approchez pas, bestiole du démon. Bon, lui, normalement, il doit pas mourir, de toute façon. Ben, je pense pas, j'espère pas. Il y en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin. Passe devant. Pas de problème. Allez. Bah il s'est fait bouffer, c'est sûr. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non. Lucas, les rats. Il n'y a plus de lumière dans la maison. J'ai envie de te dire que c'était sûr. J'aurais dire que c'était prévisible, hein, mais... Yo le cheval. Ah merde, putain, j'ai plus de... Ah si, sont... Ok, let's go. Les rats qui sont arrivés derrière moi, j'ai eu peur, je t'avoue. Je suis terrifié.
Beaucoup de sacrifices inutiles, je trouve, quand même. La mère, le père, le doc. Donc, elle a plus envie de sauver son cul que qu'aider les autres, elle. Alors, je sais qu'il faut faire des sacrifices, mais là, c'est trois sacrifices pour deux gosses, quoi. Enfin, pour trois, maintenant, mais bon. Vous avez compris. On peut en savoir plus sur le mal ou c'est comment? Lucas? Oui? C'est quoi cette chose? Oui, Bosseis, merci de ne pas spoil ou de donner des astuces sur le jeu pour ne pas perturber la vue des autres viewers. Sauf si je le demande directement, merci, 3. Je t'ai dit de te taire, toi, quand même. Hein. Je peux pas faire juste certains. Enfin, bloquer certains. Apparemment, non. Bon. Parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais qu'est-ce que ça va lui faire? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non, je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles? Il a l'air d'aller bien. Oui. Croisons les doigts. Des grenouilles! Il y en a partout! Regardez! Ça va, t'as pas froid? Il y en a plein! Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner, Hugo. Au moins, il se réchauffe. Ouais, mais... Hé, hey, revenez! Là, il s'éloigne trop. Il faudra peut-être penser à courir, ma grande, si tu veux rattraper ton frangin. Hugo, où est-ce que tu vas? Hugo! Merde, putain, comment on fait pour s'accroupir? Giflez-le ce gosse par pitié. Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. L'odeur de cadavre. Je peux pas courir, nom de Dieu! Oula! Oh mon Dieu! Ils sont tous morts? Ah, ouais! Amicia, il faut qu'on suive la duc.
Alicia, on va leur marcher dessus. Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. Ah, je pense qu'ils ont plus mal, là, pour le coup, tu vois, enfin... Ça, il est détaillé de ouf le jeu, c'est grave. Oh, qu'est-ce qu'il a ce cheval? Lucas? Oh non! Les rats! Vous approchez pas! Il y en a partout! Amicia, partout, partout! Mais c'est pas vrai! Y'a rien dedans là? Ah si, quand même. Allez. Est-ce qu'au final ce serait pas les rats qui les auraient butés? Là-bas, ce sont pas des soldats. On fout le camp. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi? Pour survivre, sans doute. Comme nous. D'accord. Hugo, il va falloir que tu traverses. Mais je peux pas, il y a des rats partout. On doit ouvrir un chemin. Hey, let's go. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, oui. Oh, attention. C'est bon. J'ai réussi. Viens, reviens. Allez. Voilà. Oh, mes bras. Ils sont tétanisés. Bien joué tous les deux. On recule les bestioles. Dégage. Dans les herbes, vite. Il faut pas qu'ils nous voient. Amicia, sa lanterne. Ouais, j'ai compris. Il arrive. Oh mon dieu, c'est horrible. Mais ça a marché. Ouais, et maintenant? Il y a trop de rats. On est coincé. Aïe! Merde! Je l'avais pas vu venir, lui. Il y a trop de rats. On est coincés.
Attends. Ah, mais, ah bah de toute façon il me manque le... Il me manque le... Ah, dégage! Lâche-moi! Ah bah il y en avait un là, super. C'est quoi? En retirant le bois de ses semelles et en entourant ses mollets d'une épaisseur de tissu, Amicia réduit fortement le bruit de ses mouvements. Oh. Attends, quoi que... Ouais, si, allez. Pas mal. Pas mal du tout. Vas-y, monte. J'arrive. Ouais, j'ai bien fait de venir. Suis-moi. D'accord. Je suis terrifié, le jeu il est... Il est assez vénère. Allez, pss, 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 dégage. Un soldat. Attention, ne te brûle pas. Faut que j'aille de quel côté? Moi à pousser. J'arrive. Allez. C'est une faux. Ils se battent avec ça? Tout le monde n'a pas de quoi acheter une épée. Non, c'est clair. Moi à pousser. Très bien. Bon, tu peux te pousser, Lucas, s'il te plaît, merci. Tout de suite. Oh, ce qu'il faut faire, sérieux, c'est violent. Ça dégage les sales bêtes. J'aurais pas aimé vivre à cette époque, perso. Je serais devenu fou. Moi. Les roues sont embourbées. On va continuer ça. Venez. Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tiens-le mieux que ça.
dégueulasse, ton truc. Ah, ça va, je veux juste ses dents. Ouais, enfin, quand même. Ben quoi? Ah, les salauds français nous tirent dessus. À la gare. Les ailes. Ah merde. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, oui. Je suis qu'un connard. Ok. Oh t'es sérieux, ils me remettent là en plus. Oh les schlagos. Monte, pas de problème. Ils sont partout. Par ici. Viens. Bien. Je pense que je vais finir ce chapitre et je m'arrêterai là. Quoi? Ah ouais, non, mais pourquoi il m'a pas suivi, cet abruti, là? Le chariot, on pourrait s'en servir. Je veux bien, connard, mais tu m'as un peu bloqué, là, en fait. Il est con ou quoi? Pourquoi il m'a pas suivi? Putain, mais quel abruti! Passe devant. J'arrive. Par où on va passer? Ils sont partout. Descends. D'accord. Pourquoi il m'a pas suivi? Je suis allé trop vite pour lui là. Je vais l'avoir compris hein, au bout de trois fois. Viens.
Putain, ils ont fait vite pour le bouffer. C'est une faute. Ils se battent avec ça? Tout le monde n'a pas de quoi acheter une épée. Viens m'aider. Très bien. C'était Richard cette affaire. Alors, la question c'est après qu'est-ce que je dois faire? Et là, la fois que je suis dans son dos, c'est ça? C'est pas vrai. Et non! Des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Ouais, mais encore. Je fais quoi maintenant? Alicia, regarde comme les rats sont attirés. Ah! Alicia, la tour! Oui, j'ai vu. Restons pas là. Allez, rentrez, vite! Alicia, il y a quelqu'un là-bas. Oh non! Attends, il y a un truc de braise là sur le côté. Ok, d'ici je peux l'attendre. Ok.
Promis. Moi, je vais donner l'alerte. Ah non, non, non. Je serais pendu s'ils savaient que je vous ai laissé passer. Allez-y, moi j'ai rien vu. Bien. Je pense que si j'avais été sur console, je pense que j'aurais un succès pour l'avoir sauvé. Et aussi un succès pour l'avoir laissé mourir. Il y a un soldat. Il bloque la route. Quand tu veux, tu ramènes ton kit. Ouais. Pas d'autre chemin. C'est pas vrai. On n'a pas le choix. Faut le prendre par surprise. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses? Du somnum. Tu vas voir. Mélange-les. Oh! Comme ça, voilà. Maintenant, tu vas l'écraser sur son visage. Mais t'es fou! Lucas! Bon, j'espère que tu sais ce que tu fais. D'accord. Il dort vraiment? Oui. Pour un moment. Merci. Ça va nous sauver la vie. C'est pas mal ça, le somnum, là, dis donc. Ah. Tu n'as la merde. Y'a de l'eau? Ok. Enfin, oui, de l'eau, de l'alcool, c'est pareil. Oh, c'est liquide. Une autre machine? Elle a l'air un peu... différente. Est-ce qu'on peut la bouger? Je vais essayer. Je vais lâcher. Attention! Ça peut lâcher, mais il faudra pas très vite. Lucas? Lucas? Tu peux t'en charger? Oui. Ah d'accord, faut qu'il reste là-bas. Compliqué ce jeu. Vas-y Hugo, c'est bien. Merci petit frère. Et maintenant? Ah merde! Ok, d'accord, je viens de comprendre. Tu veux bien y aller? D'accord. Tu peux t'en charger? Ok, j'avais pas compris. Ok, ça va, c'est pas... Vas-y Hugo, c'est bien. C'est pas trop violent, on va dire. Tu peux le faire? J'arrive. J'avais réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi, je
Je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Allez, on n'est pas encore au bout. Tenez-vous prêts, on va devoir rester dans la lumière. Allez, allez! On le retient pas? Non, cours! Je suis pas sûre là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien, ça a marché. Lucas, merci. Parce que je viens de venir te chercher, hein. De toute façon j'aurais pas pu. Il est où? Lucas? Il m'a fait peur l'autre. Hein. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Courage, les gars. Je sais que vous êtes fatigués. Faut que je fasse quoi? Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Ouais, oh, engage. Êtes-vous? Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente? Ils sont morts pour l'Angleterre! Allez! La tuyelle est à nous! Chut. Hey dodo, Francis, mon petit frère, fais dodo. Ah oui, ça, c'était pour la tirer, ok. C'était pour la tirer au cas où j'avais pas assez. De... Je suis très fatiguée. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Enfin. Louise Bosseis, si jamais tu aimes ce que je fais et que tu souhaites me soutenir, tu peux lâcher un petit follow. Ça te coûte rien, mais pour moi, ça représente beaucoup. Chez nous, les pillards, on les exécute sans procès. Qu'est-ce qu'on fait? Trop risqué. On continue. Hé hey, et eux alors? Tu leur dis rien à eux? Quoi? Hey, maintenant! Oh, sur le corps d'ici. Bien
s'enfuit. Elle a pas vu qu'au départ ils étaient deux ou elle est... Oh le cerveau ma grande, le cerveau. Terrifiant. Hey, debout là-dedans. C'est l'heure de la pitance. Ah, la pitance. La chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... Moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère ? Hé, hey, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. Ça risque pas, ils sont morts. Allez un peu fort. La rançon ? Qui l'a payée ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris ? Sale chien. Inquisiteur ? Ah, ça va être des compagnons d'aventure ou juste des gens qui vont nous casser les burnes. Vous êtes qui? Eh ben on le saura pour la prochaine fois. Pardon, excusez-moi. Pardon. Du coup, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de A Plague Tale Innocence. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. On se retrouve du coup ce soir, comme prévu, pour soit du Minecraft, soit du Resident Evil 2, soit pour la suite des autres esprits qui sont en cours. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye tout le monde!